général, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ici présent à Aix. C'est un grand plaisir pour moi d'être cette ici. Exposition tournée vers les pensées, vers la conscience. Tout à fait. C'est très formidable de découvrir un versant de la culture, de la civilisation japonaise qu'on ne connaît pas, qui est une civilisation extrêmement tournée vers sa culture, vers son patrimoine et aussi vers la protection dans cette période troublée. Après Fukushima, aujourd'hui, quel message est-ce que vous venez porter auprès des gens d'Aix-en-Provence? Voilà, cette catastrophe qui a touché la côte pacifique du nord-est du Japon était extrêmement violente et à ce jour, au-delà des dégâts matériels extrêmement importants, nous avons perdu beaucoup de vies précieuses et nous avons senti accablés, battus par la force de la nature. Mais à ce moment-là, nous avons senti en même temps que, à côté de nous, nous avons des amis du monde entier qui nous soutiennent. Et je souhaiterais transmettre le message aux Aixois, Aixoises, nos remerciements sincères au fond du cœur pour le soutien et la solidarité qu'ils ont manifesté et, au cours de ces terriblement. Monsieur le consul Matsukura, merci. Je vous remercie. Ce printemps du Japon, ce soir c'est une étape ici à Aix. Qu'est-ce qui nous attend de très fort dans les semaines qui viennent? Donc déjà 2 semaines se sont passées, donc tout s'est bien passé, on a eu beaucoup plus de monde que les années précédentes, donc on est vraiment très très content que les personnes du pays d'Aix soient si ouvertes à la culture japonaise. Ce qui reste cette semaine, donc, excellente question, les cours de japonais, donc oui voilà, des cours de japonais donnés par donc des amis japonais et nous-mêmes, puisque nous sommes étudiants en japonais, des essayages de yukata. Donc, qui est un habit traditionnel d'été, donc dans le cadre du Théâtre No, qui se trouve à 3 minutes de la galerie. Un cours de cuisine, une démonstration de cuisine. Enfin faire du sashimi. Enfin faire du sashimi. Savoir, hein. Des sushis et des makis. Oui. Et des sushis et des makis. Voilà. Et des tempura aussi. Voilà, qui aura lieu à Mereuil. Et enfin, là, pour clôturer le festival, une journée zen. Donc avec des massages shiatsu, une cérémonie du thé donnée par le maître Keiko Vandrich. Auxquelles les gens pourront assister. Pourquoi cet amour de la Provence, d'après vous, pour le Japon? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'alchimie? Je pense que la Provence est une région vraiment atypique pour les Japonais. C'est-à-dire qu'ici, tout est vraiment différent, que ce soit donc, culturellement parlant, bien sûr, mais aussi au niveau des buildings, de l'architecture, voilà. Oui, les buildings, l'architecture, c'est exact. Donc je pense que c'est pour ça que les Japonais aiment tellement cette région, même au niveau de la température, du temps. Eh bien, on vous remercie, Coralie. Et bonne suite pour ce festival et pour vos études. Oui, merci. Il va falloir. Encourage nos compatriotes énormément et je réitère mes sincères remerciements du fond du cœur. Encore une fois, je vous remercie infiniment.